Consomme la boisson un peu plus beaucoup. Mais je suis sportif avant. Mais on fait compter un peu mal, camarade. On se boit un peu la bière. On se boit pas la bière, on se boit rhum. Ça limite mal l'habitude pour moi. Et on pense boire, ça coule. Mais si on ne fait pas faire foutre, garçon, si l'agent, c'est là, on vient l'hôpital ici, là, on suit un traitement. Et là, on va trouver doucement, c'est mauvais correct. On conseille, on va dire, c'est une zoologie, pas faire ça, on n'a pas pareil. Madame Missier, bienvenue dans sa émission là, aujourd'hui nous pour cause l'eau l'alcool, mais surtout l'eau l'abus d'alcool qui a affecté la vie d'Enzimoun. Nous pour cause l'urban problème qui a affecté la santé, mais aussi la vie familiale et la vie sociale. Ministère de la Santé fin travail l'ON Action Plan, l'eau l'alcool 2020-2024, que préconise une série mesures pour prendre en charge les patients alcooliques et les autres familles. D'après l'Organisation mondiale de la santé, nous trouvons que l'alcool figure dans ces trois premières priorités. Pourquoi? Parce que mondialement aussi, il y a un problème de santé et que nationalement, à Maurice, nous trouvons un problème de santé à cause de l'alcool. Mondialement, l'OMS, d'après ce chiffre qui ligne de nous en 2019, annuellement, 3,3 millions de décès, essentiellement par l'alcool. Et quand nous trouvons ces 3,3 millions-là, qui représente approximativement 5,9% du décès global. Vous trouvez que man monsieur, vous êtes plus affecté, le nombre de décès c'est 7,7%, comparé à man madame, 2,6%. Quand nous guide en termes de tranche d'âge, malheureusement, en tranche d'âge de 20 à 39 ans, 13,5% de décès mondialement, annuellement. Quelle situation était dans Maurice par rapport à consommation d'alcool? D'après nos recensements Non-Communicable Disease Survey en 2015 qui nous fait, nous trouvons que 52,8% de la population se consomme l'alcool sur une base régulière. Toujours, monsieur peut précéder madame, 66% consommateurs d'alcool, comparativement 41% consommatrices d'alcool. Quand nous pouvons un petit peu, c'est quoi la consommation à Maurice? Nous pouvons diviser en deux types de consommation. Il y a une consommation irrégulière et modérée, et qu'il y a une consommation abusive de l'alcool à Maurice. Et chez les jeunes, le Global Student Health Survey, quand nous comparons, c'était fait en 2009 et 2011, le chiffre a augmenté. En 2009, c'était 63,5% de la population étudiantine qui avait accès à l'alcool toute première fois à l'âge de 14 ans, comparativement à 2011, quand il montait, il y a 72% qui avait accès à l'alcool dès l'âge de 14 ans. Là, quand on peut focaliser un petit peu sur les autres chiffres qui entourent l'alcool à Maurice, 33% d'accidents annuellement sont causés par l'alcool. Et que, quand on peut comparer à une échelle globale, le chiffre qui nous peut gagner avec OMS, c'est 27% d'accidents à cause de l'alcool. Nous trouver, nous constater qu'il est bien au-dessus de la moyenne. Quand on peut guetter aussi à Maurice, consommation abusive, toujours prédominant chez les hommes que les femmes. 19,1% de personnes consomment l'alcool abusivement, comparativement à 1,7% des femmes qui sont consommatrices abusives de l'alcool. Combien les temps, c'est-à-dire où tu peux boire, combien où tu peux boire par jour, tout ça? Oui, moi en ce moment, je suis capable, mon camarade nous prend une chopine, je peux boire. Après, doucement, quand je viens une chopine, je viens une bouteille. Je vais continuer comme ça tous les jours, il y a comme ça même. Je viens aller avec lui. Au commencement, moi, quand tu peux voir même, mais c'est moi, le temps, mon commencement, mais tu peux voir deux gros, trois gros. Allez, quand le problème peut augmenter, moi, si moi, consomme l'alcool, il augmente. Mais par jour, comme je dis, mon commencement, une bouteille et demi par jour. Là, là, on peut trouver, on peut calculer, on peut arriver à y rester. On peut bien sauter là-dedans. C'est ce genre, on trouve, on peut bien arriver de boire, c'est-à-dire. Mais l'alcool ne peut pas faire aucune avance. Au contraire, il peut être vraiment, il ne peut pas faire aucune avance pour moi. Si moi je suis là, ils ont besoin d'une solution, ils ont besoin de diminuer, ils ont besoin d'arrêter. Nous pouvons définir la consommation abusive quand
une personne qui peut consommer plus que 4 unités d'alcool par jour. Tout ce qui est moins que 2 unités par jour, c'est une consommation régulière et modérée. En parlant d'unités d'alcool, nous devons connaître ce que ça veut dire une unité d'alcool. Une unité d'alcool, il y a 8 grammes d'alcool pur dedans. Une unité d'alcool, il peut avoir approximativement 10 ml de whisky à 40%, qui est équivalent à 10 ml de cognac ou d'autres boissons alcoolisées à 40%, équivalent encore 100 ml de vin à 10%. Et concernant la bière, nous connaissons Mme Mauricien, je consomme beaucoup de bière, qui a 2 à 4%, il y a environ 2 pintes, 568 ml. Concernant le type de consommation à Maurice, nous trouvons qu'il y a aussi un problème très phénoménal qui nous trouvait chez les jeunes, de 20 à monter, disons jusqu'à 40 ans. Il y a un happy hours qui nous trouvait en fin de semaine. Mais là, il y a une autre terminologie technique qui rentre en jeu. On appelle ça heavy episodic drinking. C'est quoi le heavy episodic drinking? C'est la consommation de plus de 8 unités d'alcool dans un court laps de temps, environ 3 heures. Si une personne a une consommation pareille, là aussi il définit comme un alcoolique, s'il peut faire chaque semaine. Il n'est pas nécessairement la consommation est abusive qu'on peut boire tous les jours plus que 4 unités d'alcool une fois par semaine, mais une consommation assez conséquente. Il y a aussi un pourcentage madame qui boit beaucoup. Et non, toujours le problème qui nous trouvait chez les dames, c'est un petit peu réticent par rapport à cette consommation, si toutefois je peux consommer abusivement. Et qu'aussi, nous trouvons, et non, toujours à Maurice, c'est normal, madame, qui dans la grossesse peut consommer l'alcool, nous payons un pourcentage exact, mais avec l'arrivée de l'action plan qui va s'étendre sur 2020-2024, et non, une mesure de précaution qui nous permettait, et non, un paramètre épidémiologique, ça veut dire concernant les statistiques, les chiffres, qui nous permettent de l'avant pour nous caves un petit peu, c'est un des problèmes de l'alcool plus facilement à Maurice. Parmi les autres actions qu'il nous peut faire concernant l'alcool à Maurice, d'après le Action Plan, nous pouvons aussi faire une sensibilisation. Il y a une sensibilisation à tous les niveaux. Tous les cadres vont être sensibilisés par rapport aux méfaits de l'alcool. Et qu'aussi, nous pouvons concentrer un petit peu plus nous mettre l'effort de sensibilisation dans une place sinistrée, dans une place que tout est dans le réformatoire, dans une institution pénitentiaire. Qui fait à nous faire ça? Parce qu'il nous connaît, qui, vu que l'alcool, oui, il y a un problème pour tout le monde, mais il y a une répercussion beaucoup plus dans une classe moyenne ou soit une socio-economic class. D'autre part, ce qui nous peut préconiser avec l'Action Plan 2020-2024, nous pouvons essayer de mettre man ward dans un hôpital, dans une institution hospitalière, nous pouvons mettre man l'idée à disposition d'un patient alcoolique, qui, quand je peux faire admission, par chance-là, il admet, il y a un traitement qui est adapté pour lui, il y a un traitement qui est bien encadré, ce côté psychologique aussi, qui est très important dans le traitement de toutes les addictions, et qu'aussi, nous poussons un patient qui est en multiple addiction, y compris l'alcool. Nous poussons faire ça dans toutes les régions, de façon qui nous capte décentraliser le système, et qu'aussi, nous poussons sans même patient qui ne fait un traitement, je ne viens au rendez-vous régulièrement pour l'alcool, nous décentralise dans mon centre de santé aussi, pour patient, pas besoin de placer dans l'hôpital et qu'il décongestionne un petit peu le système hospitalier aussi. Et ce problème-là, fait où gagne aussi pas de problème, la case, tout ça, non? Oui, quand on finit boire, nous gagner, nous fait la case, nous ne connaissons pas qu'on a une discussion aux camarades, nous avons un petit problème en famille, les enfants. Mais depuis combien de temps au bois? Bon, ce qui est arrivé, là, moi, j'ai 51 ans. Donc, j'ai 20 ans. Depuis 20 ans, je fais boire, tiri, d'après y aller. Mais là, il arrive d'avant l'histoire, ça. Et là, c'était encore, il arrive de venir, c'était un petit peu avec lui. Il y en a beaucoup de problèmes qu'il y a avec l'alcool. Il n'est pas purement clinique, il est aussi psychologique. Premièrement, dans une base clinique, nous trouvons que l'alcool a affecté les individus. D'après l'OMS, 48% de personnes développent cirrhose du foie, 36% pancréatite aiguë ou soit pancréatite chronique. Par la suite, énorme problème comme un cancer, qui est très au courant à Maurice, vu que l'alcool est décrété comme un facteur à risque immodifiable, plusieurs types de cancers nous trouvons. Cancer de la voie digestive, commence par la bouche, cancer colorectal,
cancer du sein chez la femme, et que si quand nous avons la liste des cancers, cancer du foie, éventuellement, parce que comme on connaît, les foies hyperfectées, une cirrhose des foies, par la suite des infections, les hépatites, et par la suite le cancer du foie. Sur une base psychologique, 18% des cas de violence interpersonnelle, ça veut dire la personne qui est alcoolique avec son entourage, c'est primordialement à cause de l'alcool. D'après le chiffre qui nous est reporté en 2018, les 6 familles support de bureau, 65% des cas recensés sur 53 000 cas de violence domestique identifiaient l'alcool comme un facteur principal. D'autre part, dépression, suicide, tout cela est un facteur qui est lié avec l'alcool et la surconsommation d'alcool. Sur une base sociale aussi, nous trouvons une fin d'étude à travers l'Université de Maurice, nous trouvons que la consommation de l'alcool dans le place travail, qui est un problème à Maurice, un petit peu un problème partout à travers le monde, les plus fréquents dans un secteur informel, que les personnes travaillent quotidiennement, comme on nous dit, les bat-batés. Et deuxièmement, nous trouvons plutôt dans une tranche d'âge de 40 à 50 ans. Les conditions du travail très importantes, le stress, etc., les jeunes facteurs sur la consommation. Très souvent, nous trouvons une personne qui arrive dans une place de travail en état d'ébriété et que par la suite, ce gain un reproche, ce pas gain sa profil, sa encadrement psychologique là, de ce place de travail, ce pas envie d'initier un traitement, problème aggravé. Avec le Action Plan 2020-2024, nous permettons au plus devant de la société, man mesure de précaution, man reporting system et man mécanisme pour faire connu dans place de travail si une personne peut consommer l'alcool et que nous peut guetter aussi comment nous pouvons intervenir sur un plan social, sur un plan familial, établir un contact avec la famille pour guetter qui fait à sa personne là peut boire, dans quelles circonstances il peut boire et qui peut pousser plus vers l'alcool qui vers man les autres priorités. Les nous guider Stella qui conséquence l'alcool et alors la santé et que la vie indimune et aussi comment prend en charge un patient qui est alcoolique. Les gens commencent à consommer l'alcool, mais mon pas qu'à dire plonger mon pénalisé dans l'alcool à Stella. Là finalement me trouver si moi mon père avait un problème plus grave que ça, d'ailleurs mon pas pour la personne. Là moi je me disais quoi dire diminuer Stella. Je me trouvais dans l'hôpital, je me trouvais comme dit Aster, pour améliorer un ticket et me bien faire un petit progrès pour voir nos enfants avant un ticket pour les vents. Énormément de patients, je bois trop beaucoup. J'ai envie d'arrêter. Je deviens, la plupart du temps, je suis capable de peiner les symptômes. Une autre catégorie de patients, quand je deviens, c'est quand je t'en manque. Ça veut dire que je suis habitué à boire beaucoup. Depuis 2-3 jours, je ne bois pas. Boire. Là, les mêmes symptômes, ils peuvent, comme je dis, ils en manquent, ils peuvent en trembler. Si les plus graves, les mêmes capables d'avoir une crise d'alcool, où ils commencent à halluciner, ils commencent à délirer. L'autre catégorie de patients, quand ils viennent, c'est parce qu'ils boivent trop beaucoup. On appelle ça intox. Ils sont confus, et un patient même gagne la langue maillée, ils ne sont pas capables de causer bien. Et si les plus graves, ils boivent de l'alcool, concentration d'alcool, trop beaucoup dans les corps, là, ils viennent dans un coma. Aussi, un autre patient, ils viennent dans l'hypoglycémie. À cause, quand je bois beaucoup d'alcool, je ne peux pas manger. Quand je ne peux pas manger, parfois je rentre dans l'hypoglycémie, là je deviens avec l'hypoglycémie. Quel traitement se donne ce bon patient-là? Bon, si un patient est venu, il n'a aucun symptôme, il a juste envie d'arrêter l'alcool. Là, nous sommes au niveau de l'hôpital Casualty, nous commençons un traitement, plutôt par voie orale, comprimé, et que nous faisons un peu de counseling. Là, il y a sur la case, il y a un rendez-vous d'environ une à deux semaines avec un spécialiste. À ce Céline Vini, quand il n'est pas bien, s'il a de l'hypoglycémie, nous avons besoin d'admettre, nous avons besoin de référer médical pour qu'il ne soit pas fait un traitement ensemble. Médical pour traiter sur l'hypoglycémie, nous ne pouvons traiter sur l'aspect de l'alcool. Un patient qui vient, qui est en withdrawal, qui est en manque, ce patient-là nous admet presque tout. Parce qu'ils n'ont pas trop bien, ils sont capables de venir plus grave. Là, quand nous admettons, nous réhydratons, parce que la plupart des alcooliques sont déshydratés. Si il y a des symptômes comme un gastrique, nous traiter, douleur à la tête, nous traiter, douleur au ventre, nous traiter, et qu'en même temps, nous faisons des désintox, à cause de ça, manque l'alcool, là, ils deviennent agités, agressifs, et il y a des médicaments qui nous donnent pour diminuer cette agitation-là, et que nous laissons les temps faire ce cours.
nous ajoutent vitamines parfois, parce qu'ils étaient dans un manquement de vitamines, plus spécifiquement vitamine B1, thiamine. Et normalement, ce traitement à l'hôpital, il dure 5 à 10 jours. Quand vous êtes sorti ici, vous n'avez pas pris de l'alcool dans votre l'égo. Mais seulement, le traitement-là, il n'est pas arrêté là-même. Nous avons fait un suivi. Un patient qui est bien motivé, parfois nous-mêmes conseillons un social worker, un psychologue, pour faire un counseling. Mais les autres patients, nous conseillons un différents groupes, ONG, qui nous capable de faire un pour qu'ils aient fait un séjour là-bas, pour qu'ils aient arrêté de l'alcool. Un patient, il passe à travers la casualité, il rentre à la salle. Comment il rentre à la salle? Le premier moment, nous fait une petite enquête avec sa famille et qui fait la menée pour qui problème. Et la plupart du temps, nous avons un patient qui est intéressé à sortir de l'alcool. Mais nous prions en charge de nous tenir un lit et nous donner un traitement adéquat, un traitement nécessaire. En plus, c'est un traitement, nous donnons un conseil, counseling pour un patient. Et nous suivons, nous enquêtons un petit peu comment nous sommes là-dedans, qui est arrivé. Et nous essayons de sortir. Nous essayons comment nous sommes capables d'engager à la maison. Et pour ne pas retomber de rafler là, engager, ça veut dire être capable d'avoir une activité, être capable de faire un jardinage ou. Quand vous êtes occupé, plutôt, vous oubliez sa pensée pour l'alcool là. Qui a des complications capables de gagner si un dimoun boit trop beaucoup? Quand un dimoun commence à boire au commencement, dans en petite dose, il stimule les autres. Comme ça, on trouve un dimoun qui boit l'alcool, il est capable de faire beaucoup de choses. Mais plus vous boit, quand vous devenez chronique, vous boit plus grande quantité, plus longtemps, lui affecte les autres parce qu'il vient un dépressant. Il fait dépression dans le monde là. Et qu'en même temps, il affecte les cellules du cerveau. Dans le monde, c'est qu'il a boit l'alcool pour beaucoup de temps. Il gagne une cérébrale atrophie, le cerveau ramassé. Avec le temps, il gagne un problème de cognition. À la longue, à part ça, nous gagne beaucoup de complications plutôt médicales ou même psychiatriques. Médicales, nous avons un problème les fois. Quand il vient grave, nous avons une cirrhose. Un patient a un gastrique, parfois il a une érosion, il a un ulcère. Une madame, c'est qui boit, il a tout ça là. Et si pendant une grossesse, il boit, il a un bébé, c'est qui naît prématurément, c'est qu'il y a beaucoup de complications. À part de ça, l'alcool fait un débalancement de la tension artérielle. Un patient, c'est qui boit beaucoup, il a une tension montée, il a un problème cardiovasculaire. Et il a une attaque cardiaque ou soit même attaque cérébrovasculaire. Et avec les temps, il a affecté les reins, il a affecté les autres organes aussi. Ici, en cardiologie, nous avons un peu de patients qui habitent dans la salle 7, la salle qui occupe les problèmes de l'alcool. Et nous avons un patient qui, quand nous avons fini des choses, nous prions en choses. C'est énormément de patients qui ont envie de suivre la thérapie. Et pour faire la thérapie, nous avons un réseau qui le ministère de la Santé travaille. C'est une des ONG qui trouve dans les environnements des flaques et même dans les autres environnements. Et comment nous avons un alcoolique anonyme qui est basé à flaque. Nous avons une patiente qui a envie de faire la thérapie, nous avons eux là-bas. Même nous avons une patiente qui a envie de faire la réhabilitation après le détox dans la salle 7. De là, nous avons eux dans le centre de solidarité à Rosil, même dans le centre d'accueil des Rouges, que nous êtes capable de rester des mois. Même à Rosil, à Solitude, j'étais capable de rester même 6 mois. Nous avons les autres ONG, qui appellent les Mahatma Gandhi Ayurvedic Center, qui trouvent à Calbas, que nous donnent une bonne passion, un traitement ayurvédique. Et plus, nous avons les autres thérapies qui sont offertes, c'est les thérapies de massage, d'acidodhara, c'est un peu de toxines depuis dans nos lécos, pour avoir une passion, pour être capable d'être plus mieux. Ça, c'est au côté de la réhabilitation. Mais concernant les suivis, c'est quand vous finissez aussi là-bas, vous revenez envers nous et nous monitorons votre progrès, comment vous étiez avant et à ce moment-là, comment vous pouvez fonctionner dans votre cellule même familiale, même au niveau de l'économie. Vous pouvez réussir au travail, vous pouvez réussir à arriver à subvenir à votre famille, besoin de votre bonne famille et en même temps, nous guider de quelle manière votre bonne famille peut aider pour guérir et pour combattre ce fléau-là dans la maison. Donc c'est un travail, c'est-à-dire l'équipe. Voilà, c'est un travail, on appelle un teamwork.
Ça vient nous tout seul, nous ne sommes pas capables de travailler. Ça veut dire que nous prenons un travail social, nous avons une cellule familiale, hein, qui est bien besoin qu'ils jouent un grand rôle important hein, dans les combats contre ce fléau-là. Hein. Et parfois, nous avons besoin l'éducation de la famille, faire comprendre c'est quoi la maladie de l'alcoolisme. Parce qu'il y en a beaucoup de familles qui ne connaissent pas la maladie de l'alcoolisme. Parfois, surtout le comportement de la personne qui consomme l'alcool, il est un peu pathologique. Mais eux même à ce niveau, je ne connais pas ce qu'est l'alcoolisme. Parfois, nous devons faire l'éducation. Faire comprendre qui fait que c'est une maladie que la personne peut vivre, que la famille a besoin de soutenir pour être capable de sortir là-dedans. Hein? Sinon, je ne suis pas capable de faire ça. Voilà, nos émissions finies ici. Nous finissons cause de l'alcool et surtout de l'abus d'alcool qui affectait la santé et que la vie de patients. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une autre émission. Thank you.